Chaque année, Manuel Valls profite de la foire de Corbeil pour faire sa rentrée politique en conviant les représentants de la presse du département. L'occasion pour les journalistes autour d'un déjeuner d'écouter le député maire d'Évry s'exprimer sur toutes sortes de sujets, qu'ils soient locaux ou nationaux. Alors avec Francis Grandjean-Weber, nous avons justement profité pour lui demander ses priorités municipales, départementales et pourquoi pas nationales. Municipal, la priorité des priorités, c'est évidemment de lancer le grand chantier du centre-ville, qui a perdu un peu de temps à cause de la crise économique et surtout immobilière. Et les travaux vont commencer à la fin de l'année, donc doter Évry d'un vrai centre-ville. Départementalement, je pense que nous devons tous agir, et moi comme président d'une agglomération, pour protéger nos concitoyens victimes de la crise économique, ils sont nombreux, et je pense notamment aux jeunes. Et puis, nationalement, préparer un projet alternatif et crédible pour la France. Tourner la page du sarkozysme en 2012, ça veut dire faire un énorme travail, un projet, un leadership, et donc préparer ma candidature aux primaires que j'espère que le Parti Socialiste et au-delà organiseront en 2011. Voilà, trois chantiers, ancrés sur le terrain et en même temps, regarder l'avenir. Mais au fait... joyeux anniversaire pour Télé-Essonne.